Juste avant de commencer la vidéo les gars, juste pour vous dire qu'on vous fait gagner un énorme compte sur Fortnite Battle Royale. Il y a vraiment tous les skins les plus rares, etc. comme le soldat, les nœuds, le petit biscuit. Et pour y participer, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous devez juste mettre un petit like. Voilà, le petit like n'est pas important, n'est pas obligatoire. C'est pas avec ça que vous serez tiré au sort, mais c'est vraiment la récompense pour nous. Et deuxième chose, d'aller sur Twitter. Tout va se passer sur Twitter. Vous devez aller en description RT et fave le tweet dans la description. Et normalement, vous pourrez participer. Le tirage au sort est le 3 août, les gars. Moi, je vous dis bonne chance à tous. Yo les gars, salut à toutes et à tous, ici Belloum. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous aurez pu le voir au titre, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle arme qui devrait très bientôt arriver sur Fortnite Battle Royale. Juste avant de commencer la vidéo, un petit objectif, les 1500 likes, ça ferait vraiment super plaisir. Et si on atteint les 1000 likes en moins de 24 heures, on vous sort une vidéo où on vous présentera toutes les armes qu'on a trouvées et qui vont arriver dans les prochaines semaines sur Fortnite Battle Royale. D'ailleurs, ça fait quelques temps que j'ai pas commenté sur la réal, donc juste pour vous dire que moi personnellement sur ma chaîne je vous fais gagner chaque semaine un pass de combat numéro 5, donc tout ce que vous avez à faire c'est à regarder mes anciennes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne qui est dans la description. Ça serait super sympa de votre part et surtout si on peut me faire dépasser les 5000 abonnés, franchement ça serait super sympa. Bref, on passe tout de suite avec le sujet principal de la vidéo. Comme vous le savez, sur la réal on vous a proposé beaucoup de vidéos qui étaient en rapport avec les prochaines armes qui arriveraient sur Fortnite Battle Royale, et cette fois-ci on va vous parler, enfin je vais vous parler d'un sniper, le frelon, qui est déjà disponible dans le mode sauver le monde. Et l'arme, elle est tout simplement extraordinaire puisqu'en plus de ça elle one shot les ennemis. Après, à voir si elle one shotera dans le mode battle royale, mais bon, ça m'étonnerait quand même. L'arme a directement été découverte dans les codes sources du jeu, donc sur PC bien évidemment. Donc il y a tout qui porte à croire que l'arme va arriver très prochainement sur le mode battle royale. Et on va pas se le cacher, un petit barrette 50 en plus sur le mode battle royale, ça va faire plaisir énormément à la communauté. Déjà revoir la P90 qui est plutôt cheatée, ça a été un putain de kiff. Alors imaginez-vous s'ils mettent le barrette 50, franchement ça va être une putain de surprise. D'ailleurs j'ai une petite question à vous poser, est-ce que vous avez le mode sauver le monde? Parce que oui, évidemment en ce moment bah il y a beaucoup de personnes depuis le début de Fortnite qui jouent au Battle Royale, mais il y a pas beaucoup de personnes qui jouent au mode sauver le monde. Donc j'aimerais savoir si vous, vous y jouez, et si c'est le cas bah dites-le moi dans l'espace des commentaires. Pour en revenir au sniper, malheureusement on n'a pas les statistiques de l'arme, ni la rareté, mais je pense que ça va être soit entre légendaire et épique. Donc comme on peut voir en ce moment, Epic Games n'hésite pas à rajouter beaucoup d'armes sur le mode Battle Royale, et c'est plutôt kiffant parce que va y avoir beaucoup de variétés d'armes, beaucoup de choses à faire avec les nouvelles armes, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, comme vous le savez, hier il y a eu un patch 5.10 où on a eu tout simplement l'ajout de quêtes pour fêter l'anniversaire de Fortnite, et malheureusement certaines personnes n'ont pas eu ces quêtes. Et bien aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, vous allez pouvoir avoir accès à ces fameuses quêtes. Donc ne vous inquiétez pas, bien heureusement vous allez avoir un petit peu plus de temps pour réaliser les quêtes et surtout pouvoir les finaliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un minimum informé sur la prochaine arme, sur les défis, etc. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de la réal ainsi qu'à ma chaîne qui est dans la description. Moi je vous dis à tous merci d'avoir regardé, c'était Belloum, allez à plus tout le monde.